espoir, désir, rêve, illusion, évasion, rencontre, connaissance, thérapie. Tout cela, c'est la musique, elle, qui est aussi le langage universel de l'humanité. L'orchestre, lui, est un instrument en soi. Ce qui intéresse avant tout le chef d'orchestre et mon public, n'est pas tant les musiciens eux-mêmes, sauf pour leur famille, mais la musique qui ressort de cet ensemble, les harmonies et les mélodies qui en découlent. Lorsqu'on en est dans une école de musique, on tombe souvent très tôt dans ce chaudron magique qui est l'orchestre d'harmonie. C'est une véritable école de vie où l'on apprend à écouter, à s'exprimer et surtout à partager. L'ensemble que vous avez devant vous ce soir est le fruit de cette passion que nous partageons, Marc Dumas et moi-même, pour la musique d'harmonie et l'affection que nous portons à nos musiciens. C'est la deuxième fois que tous ces vents se rencontrent pour ce soir sur Rousson, sous une véritable tornade. Je tiens à remercier la municipalité de Rousson pour toute l'aide qu'elle a apportée pour réaliser cette soirée, mais également pour toute l'importance qu'elle accorde à la culture avec un grand C en général. L'orchestre Variation de la Grande Combe, dirigé par Marc Dumas.
l'accueil. C'est habituel parce que moi je viens quelques fois renforcer l'orchestre à la Moni et aussi Caruso, on est toujours bien reçu. Et puis dire une nouvelle fois le plaisir et le bonheur qu'on a de partager ce moment musical avec l'excellent orchestre Harmonie de Salem dirigé par Jean-François Pérez. Ce qui me rassure, c'est que je vois des têtes connues, je vois des grands congés qui sont venus nous. Allez-y, faites un peu de bruit. Et donc, quand même, le premier adjoint à la mairie de Hanangon, M. Joseph Pérez, qui est venu nous seconder et nous, on va dire, nous épauler. Voilà. On va continuer ce programme avec un morceau. Si je vous dis le bon, la brute et le truand, ça vous fait penser à quoi? Canarty, c'est un programme politique. C'est un morceau politique de film. Il était une fois dans l'Ouest, le bon, la brute et le truand. J'ai déjà dit. Ce sont des morceaux de musique de film de M. Ennio Morricone sur un arrangement de Johan Demey. Voici donc Romain Morricone.
Jacob Dylan fait partie des compositeurs pour orchestre à vent les plus appréciés et les plus joués dans le monde. Parmi ses compositions les plus célèbres, on trouve toutes celles écrites dans un style proche de la musique de film. Il ira d'ailleurs les produire et les diriger aussi bien en Europe qu'en Australie ou aux États-Unis. Concerto d'amore est composé de trois périodes thématiques aux caractéristiques de la musique baroque, pop et jazz. L'introduction majestueuse, aux allures aux ouvertures baroques, chemine vers un passage vif et énergique. L'adagio qui lui succède progresse vers un passage aux inflexions de swing pour terminer sur une conclusion brillante et richement colorée. Voici le concerto d'amore.
ses propres efforts. Twins est une œuvre musicale sur des jumeaux. Nés au même instant, grandis ensemble, mais souvent avec quand même des caractères bien différents. L'un est du genre sensible, introverti, alors que l'autre est beaucoup plus exubérant et dynamique. Ce qui est sûr, c'est que l'on peut difficilement les séparer l'un de l'autre. Le compositeur a bien sûr représenté la différence et la fusion de ces deux êtres. Voici Twins. Thank you.
détaillé. Alors, je vous demande d'applaudir le pupitre de trompette.
emblématique du tambour est au cœur de l'orchestre mené par le Tanderhof. Instrument créé en Allemagne, il est une sorte de concertina qui suit l'exil de ses propriétaires. Le tambour est fusion. Il n'est donc pas très étonnant qu'un jour, un tanguero se décide à taquiner les expérimentations sonores en brisant les ponts entre les arts musicaux. Ce tanguero, fils d'un pêcheur italien, s'appelle Astor Piazzolla. Il s'affranchit rapidement des artifices ornementaux du tango traditionnel qui trouve passablement rasoir. Il faut dire que Piazzolla chérit bien d'autres styles, entre autres la musique classique contemporaine comme Stravinsky ou Bartok et le modern jazz. L'accompagnement du tombe moral. Il préfère la composition originale et en étudie les techniques avec Nadia Boulanger à Paris au milieu des années 50. De retour en Argentine, il inaugure son propre style. Attaqué de toutes parts par les puristes, c'est obstiné qui est pourtant fermement la barre, qui persiste et signe. La musique nécessite un style. Piazzolla s'entoure alors de musiciens d'exception et de collaborations précieuses. Sa carrière explose dans les années 60 et entrera dans la légende. Dans la légende. Voici Libertad. Le piano, les petites percussions et les thémas.
tiens particulièrement à cœur, c'est le cuivre des saxophones. Thank you.
1967 en Autriche. Il reçoit sa formation musicale à l'Académie de musique de Vienne, où il étudie la trompette et la composition. C'est pendant ses années d'études qu'il compose ses premières pièces de musique légère. Désormais, il possède son propre studio d'enregistrement, avec un catalogue de plus de 400 titres composés ou produits, et près d'un million de disques vendus à travers le monde. Otto Schwartz est un compositeur, producteur, dont la carrière internationale rencontre un grand succès. Actuellement, il compose pour le cinéma, la radio et la télévision, et a su évoluer à travers les différents registres de la musique légère. C'est à la demande d'amis musiciens qui souhaitaient qu'il écrive pour des formations d'instruments à vent, qu'il signe en 1996 ses premières pièces pour orchestre d'harmonie. Celle-ci s'appelle Wings of Freedom. Elle reflète bien l'ambiance qui règne au sein de nos formations et le message que nous essayons de nous communiquer lors de nos concerts, c'est-à-dire joie et bonne humeur. Thank you.
l'orchestre pour le plus, les flûtes et les violons. Thank you.
souvent le même programme, mais à la mer. Samedi prochain, à 21h, au sein du Berlot. Les deux formations réunies. Voilà. Vous êtes là.